Bonjour les amis, et eh bien nous voilà, c'est vendredi le dernier jour de la semaine pour ce partage, le dernier partage de la semaine. Euh, nous avons eu comme thème toute cette semaine euh, les émotions, comment gérer ces émotions, la tristesse euh, avec ses différentes origines, la colère. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la jalousie, la comparaison, l'envie. Voilà, toutes ces émotions aussi qui nous viennent et qui peuvent perturber notre quotidien et notre relation avec les autres. Euh, Peut-être as-tu déjà eu ce genre de pensée euh, Oh ben, par exemple, elle est, ou lui a toujours des opportunités professionnelles, il a eu toujours des promotions et moi je galère dans mon travail. Ou bien encore euh, ah bah elle elle est encore enceinte, nous on n'arrive pas à avoir d'enfants <coughs> ou bien euh, ah bah eux ils ont un foyer heureux, c'est un couple heureux, équilibré, moi mon époux, euh, ma, mon épouse est partie, mon conjoint m'a quitté, euh, ou bien encore euh, ah bah toutes mes toutes mes amies sont mariées, et ben bah, moi je suis toujours célibataire. Voilà, euh, toutes sortes de, de réflexions qui peuvent traverser la, la pensée et qui peuvent générer des sentiments de, de, divers euh, et surtout de la jalousie. Alors, euh, il est important euh, au départ de revenir au principe suivant, c'est que nous sommes uniques et différents les uns des autres et dieu nous a créés différents. dieu n'a pas créé des clones. il a un plan unique pour chacun de nous. Euh, se focaliser sur ce que les autres ont, sur ce qu'ils ont, ce que nous n'avons pas, euh, ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien provoque de la tristesse, de la souffrance et des conflits. ça euh, fait perdre la joie. Envier l'autre, se comparer, fait perdre la joie et fait perdre aussi la conscience que l'on, comme je disais, que, que Dieu a un plan pour nous et que l'on a euh, quelque chose à réaliser nous-mêmes dans notre vie. On n'est pas sur Terre par hasard et Dieu compte sur nous pour quelque chose. Donc si on passe notre temps à nous comparer, à, à, à envier, eh bien on rate le but de sa propre vie. Alors, je me disais, mais dans l'évangile, est-ce qu'il y a un passage où on voit cette circonstance-là, cette, cette jalousie se manifester Et oui, c'est dans la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez, cet enfant qui avait quitté, qui avait demandé l'héritage à son père, qui est parti, qui revient à son retour. Le père est tellement heureux qu'il fait enfiler à son fils la plus belle robe, il lui met une bague au doigt, des chaussures aux pieds, il fait préparer un festin et sur ces entrefaites, l'aîné revient. Et l'aîné, eh bien, il se met alors en colère et refuse d'entrer. Euh, et donc euh, il dit à son père voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis voilà que ton fils revient et après avoir dévoré tout ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Voilà une réaction, une pulsion euh, de colère. Hein, C'était le sujet d'hier, mais à travers ça, c'est de la jalousie. Il, il, il envie son frère, il, il se compare. Il se compare, il envie avec euh, le ressentiment, euh, l'amertume, et voilà. voilà ce que provoque la jalousie, du ressentiment, de l'amertume, de la tristesse, mais ça peut aussi euh, conduire au mensonge, au vol, à la violence. Hein. Voilà, c'est toutes sortes de péchés qui, qui sont consécutifs de euh, la comparaison de l'envie et de la jalousie. Euh, L'envie nous incite aussi à, avoir, à vouloir toujours plus, euh, toujours plus d'argent, toujours plus de biens, toujours plus de plaisir, toujours plus de, euh, de prestige, toujours plus de pouvoir. Il y a une insatisfaction euh, permanente euh, qui, 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 qui est générée là, avec ce, cet engrenage de vouloir toujours plus que toujours plus l'autre et euh, vous savez les, la jalousie est, est, est extrêmement destructrice et c'est pour ça d'ailleurs que dieu dans un des commandements nous dit tu ne convoiteras pas tu ne convoiteras pas alors euh, comment faire pour sortir de la jalousie et eh bien j'ai repérer quelques, quelques bon, bonnes réactions pour contrebalancer. D'abord, savoir être reconnaissant de ce que l'on a, de ce que l'on est, euh, savoir rendre grâce pour ce que je suis, pour ce que Dieu m'a donné, parce que je reçois tout de Dieu. Hein. Euh, tout ce que j'ai, eh c'est une grâce. Donc je rends grâce. Hein, je suis amenée à rendre grâce pour ce que j'ai, pour ce que j'ai reçu, pour le don de la vie aussi. Hein. Euh, tout ce que nous avons est un don de Dieu. Même si au niveau matériel, c'est la conséquence de notre travail, c'est ce que je, je disais cette semaine. Hein, il n'empêche que Dieu l'a permis aussi. Hein. Et donc ce que j'ai eh bien, euh, je dois rendre grâce de l'avoir. Hein. ce que je suis, eh bien, c'est peut-être l'occasion aussi de, de chercher tes qualités, tes compétences, euh, et de rendre grâce à dieu pour celles que dieu t'a données, hein. et puis les développer plutôt que de regarder celles des autres hein, avec un, un sentiment d'insatisfaction. Euh, décider aussi d'arrêter de euh, se comparer. Se réjouir des réussites du prochain. Alors ça, c'est un enseignement que nous recevons de, de Sainte Faustine, hein, qui a clairement écrit dans, ses, dans son petit journal se réjouir des réussites du prochain. Voilà, ça c'est un bon moyen, c'est une antidote, un antidote euh, contre la jalousie. Accepter aussi euh, de regarder ses blessures d'enfance. Peut-être que certaines euh, euh, sont à l'origine de cette attitude de jalousie, par exemple, peut-être par rapport à des frères et sœurs ou des cousins, quand dès, dès l'enfance, il y a une situation de... Euh, comme ça, de comparaison qui est générée par des parents, bah tiens, euh, euh, ton frère il fait ça bien, ou ta sœur, elle fait ça bien, euh, pas toi, enfin voilà, vous savez, sous ces situations d'enfance euh, où la comparaison euh, au sein d'une classe, euh, et ça va faire grandir en soi cette, cette jalousie, ces, ces, ces habitudes de comparaison. Donc, savoir repérer d'où vient le problème pour pouvoir y renoncer concrètement avec toi Jésus, en ton nom. Je renonce à la jalousie. Je renonce à me comparer. Euh, et je me reçois de toi Père. Merci de m'avoir donné tout ce que j'ai. Merci de ce que je suis. Je te bénis Père. Euh, oui, et, et de cela, eh bien, être conscient de sa propre valeur, celle que Dieu nous a donnée. Hein. Et cultiver la louange. Hein. Cultiver la louange fait sortir de la satisfaction et renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées, ça nous en reparlerons la semaine prochaine. Voilà quelques pistes pour euh, sortir, vaincre la jalousie. Prions maintenant, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu as donné comme qualité, comme compétence, comme grâce à mon frère, ma soeur qui regarde là ce matin, qui suit cette euh, émission maintenant. Bénis-la, bénis-le. Viens le visiter maintenant. Viens poser ta main sur lui, sur elle. Viens lui révéler l'origine de... De ces sentiments de jalousie, de cette émotion qui, qui vient s'emparer de son cœur, vient lui révéler la valeur qu'elle a à tes yeux. Béni sois-tu, Seigneur. Viens susciter en elle, en lui, le repentir. Viens l'aider à renoncer pour être libre. Amen. Merci, Seigneur, de venir libérer maintenant mon frère, ma soeur, de cette euh, émotion qu'il a, qui le tenaille, qui l'empêche de vivre pleinement de tous ces dons que tu lui as donnés. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous souhaite une belle et bonne journée. Nous nous retrouvons, si vous êtes disponible, à 14h30 cet après-midi. Pour un temps à l'écoute de Sainte Faustine, je parlerai de l'adoration, de l'Eucharistie, selon ce que Sainte Faustine nous recommande, vie elle-même. Ensuite, nous méditerons un temps euh, de passion avec la passion du Seigneur et puis un temps d'intercession euh, pour toutes les intentions que vous déposerez sur le chat. Et voilà, nous le ferons avec différents membres de la communauté des serviteurs de la miséricorde. Ce sera un beau temps, un beau temps de grâce. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, soyez bénis et à lundi, au plus tard